tout le monde, on est reparti sur du Noble Fate pour un deuxième épisode de cette découverte. Alors je précise que ce n'est pas un let's play, plus une découverte de deux ou trois épisodes. On va voir si on s'arrête à celui-ci ou au prochain en fonction de vos envies, de vos requêtes. Alors pour rappel, on est en train de construire un très beau bâtiment. Je suis très fier de celui-ci, on n'a juste pas le bon type de porte et on n'a apparemment pas le droit aux fenêtres. Donc c'est comme ça, mais il est très joli et je me demande si je pourrais mettre des pots de fleurs ou des ateliers au balcon. Peut-être bouger les lits également à l'intérieur. Ouais, pour le moment, on est en train de construire des nouveaux lits, mais je me dis peut-être tant qu'à faire, autant les mettre là-bas et servir de ça comme stockage. Je ne sais pas si le type de matériaux utilisé a un impact sur la qualité du stockage. Vous voyez si c'est bien à l'abri des éléments ou pas, mais bon. Et pour rappel, on a un petit portail qui est arrivé avec des démons qui devraient attaquer d'ici peu. On va voir ce que ça a donné. Mais on est 6, donc théoriquement, je me dis, on devrait pouvoir repousser l'attaque. Ah, toujours en train d'essayer de dompter la biche ou le cerf. Ouh, petit grattage. Voilà, regardez, on lui gratte les fesses. Ah, je pensais que c'était bon. D'accord, les monstres attaquent. Bon, il y a l'air d'en avoir qu'un seul. Du coup, ben, on va prendre tous ceux qui répondent à nos ordres. Oh, c'est tout en haut. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est le problème. Ah, je peux pas. Ok, ça, c'est un problème. Bon, du coup, est-ce que je peux sélectionner comme ça? Faire une sélection multiple par là? Ouais. Voilà. Hop. Tout le monde sauf elle. Elle, tu continues de faire ton petit boulot là-bas. Et on attaque le démon. C'est parti. Allez, Gunalf. Ou j'allais dire Gandalf, non Gunalf. Oh, il est pas fort. Il va se prendre cher, ok. Et il n'y avait qu'un seul démon. Oh bah tranquille alors. Aucun problème. Parfait. Alors du coup, bah faut dépouiller. Faut pas le dépouiller. Allez, il faut... On peut pas le dépouiller. Il a rien de bon. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes déjà en train de le... Ok, alors on va l'enterrer parce que je ne veux pas de carcasse qui pourrit à côté. Et du coup, je vais devoir mettre une autre tombe. Ici. Je vais pas tourner. Allez, c'est comme ça, hop. Allez, parce que je m'attends à des plus grosses attaques dans le futur. Il va falloir renforcer un petit peu cet endroit. Ouais. Alors, du coup, côté construction, le premier étage est fait, je pense. Je crois, oui, on a fait également le sol. On a mis la porte à l'étage. Alors, on n'a pas fait du tout les murs de l'étage. Et je me demande, est-ce que c'est un problème d'accès? Normalement, non, vu que ça a l'air... Ah. Oui, c'est bon, ok, d'accord. Ils le font d'en bas. Ils ont fait également là. Donc, je pense que c'est plus une question de temps. Et il y a toujours des débris qui tombent, vous voyez, après... Pourquoi ces débris? Est-ce que c'est, vous voyez, le reste du bois, là? Ouais, ces petits endroits qu'on a coupé de la planche? Ou c'est juste que le gars n'est pas assez bon et du coup, il y a des déchets? Je ne sais pas. Ici. Ok, deux jours, donc ça pousse, c'est parfait. Alors, j'aimerais quand même voir du monde aller à l'étage pour me rassurer. Et ne pas oublier, on a... Oh, ils ont déjà fait le toit. Ok, ils ont déjà fait... Ok, ils ont déjà fait le toit. Très bien. Alors, regardez, regardez la différence entre ça... Et ça, quoi. Là, on dirait presque une mauvaise coiffure, vous voyez. Mais c'est quand même plus joli que là. Bon. Est-ce que les lits sont faits? Pas encore, hein. Non, ils sont encore en cours de construction. Oh, ça y est, j'ai accès aux meilleures portes. Alors, du coup. On va démonter la porte là. Et on va démonter cette porte là. Voilà. Là, notre personnage a obtenu les points de compétence suffisants pour construire ces nouvelles choses. J'ai peut-être dû vérifier. Ouais, 12 de bois, c'est tout ce qu'il faut. Ah, là, ça va être plus joli. Et est-ce que j'ai l'équivalent pour l'escalier? On a toi. Bloqué, 24 bois. Il faut un constructeur level 4 pour le construire. Ouais, donc on va rester tel quel. Ah, et là, il y a quoi? Il n'y a plus de bois? Il n'y a plus de bois. Alors, on va garder ces arbres, mais on va aller couper ceux-là. Le coton, on en a combien? On en a 92. Donc pas besoin. Allez, déblaye-moi cet endroit. C'est parti. Allez me couper le tout. Notre stockage est quasiment plein. Je pense qu'il est quasiment plein. Mais il va falloir faire des étagères dans pas longtemps. Qui lui? Ah. Céleste, c'est quelqu'un d'autre groupe. Ouais, presque. Donc il y a Yu qui reste. Je pourrais peut-être... lui demander de nous rejoindre. Je sais pas si c'est une bonne idée. On n'a qu'une année de nourriture restante, là, donc ouais. Alors, bah tiens, on va essayer de...
Ouais, on va ramasser ça pour faire le stock. On a notre maïs là. Est-ce qu'on a d'autres types de graines? Des graines d'octoberies. Donc je vais pouvoir bientôt faire des champs pour les octoberies, mais j'aurais pu en faire qu'un buisson là, donc c'est pas suffisant. Est-ce que je peux péter un buisson et le ramener? Ah, bah tiens, ils vont partir. C'est ma question. Genre, si je coupe, est-ce que j'obtiens là? Je pense pas. Hein. Allez, snip! D'ailleurs, Céleste, tu fais quoi? Céleste, tu dors. Je pense si je peux contrôler Snip directement. Je peux contrôler Céleste? Ah non, c'est juste je peux contrôler. D'accord. Oh, puis reste en droit. Alors, allons voir à quoi ça ressemble, du coup, là-bas. L'intérieur. Bon, j'ai pas encore la porte. Ah ouais, mais c'est tellement plus propre, tellement plus joli. Ah, pas encore l'escalier. Ok, on peut pas aller à l'étage, c'est pour ça qu'il n'y allait pas, c'est parce que l'escalier n'est pas fait. Ah, je comprends maintenant. Et là, tu glandes un petit peu, toi? Ah non, toi, tu bosses pas pour moi. Split, par contre, toi, tu glandes. Mais on a à nouveau 62 de bois. Et c'est pas pour dire, mais elle... tu réussis un jour... Ok, le cerf ne t'aime pas beaucoup, mais elle, je sais pas si elle va y arriver un jour. Ah, quasiment tout fait. Manque plus que l'escalier de porte. Ouais, l'escalier de porte. Par contre, l'escalier dépasse un petit peu, ça c'est dommage. Ah, et le sol? C'est pas que le sol est pas fait en fait. Ah, elle a enfin appris à dompter les cerfs. Donc là, je suppose que là, elle fait vraiment le nécessaire. Ouh, elle vient de monter le level. Ben tiens, elle, on va booster tes stats. J'espère que ça va pas interrompre le domptage. Ouh, plus un ranching. Bah tiens, c'est peut-être elle qui va... Ouais, donc ça... Ok, l'action n'a pas été interrompue. C'est elle qui va s'occuper de l'élevage du bétail, je pense. Je regarde, elle, ranching, tu es quasiment au bout. Je peux pas lui mettre, je sais pas comment on rajoute là. Ah, c'est parce que c'est autonome. Ok. Donc plutôt elle, tu vas être là, et on va plutôt te mettre ranching plus haut. Alors comment est-ce que je fais pour le faire monter le level? Ah. Priorité 3 ou 2. Voilà. Très bien. Ouais, c'est mieux comme ça, je peux dire à certains d'aider dans d'autres jobs, par exemple dans la coupe de bois. Parce que là, c'est un petit peu limite. Genre logging, on en a que 2. Donc, si vous n'avez rien à faire, allez aider dans la coupe de bois. Et là, c'est quasiment fini. Hein. Allez, regardons. Ah non, non! Elle part quand la barre est quasiment... Et du coup, si quelque chose me dit que ça va reprendre de zéro. Ah non, non, c'est bon. Sauf que Agrd, je sais pas... Ouh, Agrd a l'air pas mal dans le domaine. J'ai vu la barre progresser. Là, te laisse pas faire. Ah, voilà. Ça y est, je crois que c'est bon. Ah non, toujours pas. Il fait dodo. Peut-être on peut pas le dompter quand il dort. Ok. Mais on a toujours ça, là. Ah, les U-Wanderers partent, bah tiens. Ok. Ah, il démonte son petit campement. Oh, ces détails, j'adore. Et du coup, il va partir. Ah, et ça y est, la maison est terminée. Et ils ont fait les lits. Alors, j'aimerais déplacer ça. Le problème, c'est... Comment est-ce que je regarde à l'intérieur? Pas de mur. Comme ça, d'accord, voilà. Alors, toi. Je préfère une... Oh. Est-ce que ce serait bon de faire un lit là ou de le faire à l'étage? Parce que là, ça pourrait être les ateliers. J'ai juste peur que ça prenne trop de temps d'aller à l'étage, en fait. Bon, c'est pas grave, on va mettre les lits là-haut. Hop. Je vais pas bloquer le chemin. Ça va là-bas. Ça, donc ça m'en fait 4 et on est 6.
Donc il me faut faire d'autres lits. Tu me rappelles. Un meuble. Ouh, double lit. Qualité du sommeil 75 contre... Ok, d'accord. Alors, on peut faire un double lit, mais je sais pas qui va dormir dedans. Donc là, ça en fait 6. Ok. Et... ouais, on va s'arrêter là. Ensuite, il me faut un peu de lumière dedans. Du bronze. Le bronze, on est... Oh, quoique, je... est-ce que j'ai du bronze? Ok, j'ai du cuivre et je peux sûrement faire mon bronze, mais j'ai pas encore l'atelier pour poser. Donc toi, on va te mettre là. Et là. Voilà. C'est parti. Regardez comment ça avance, je suis content. Voilà. Les lits vont là-bas. Est-ce que je peux attribuer un lit à quel... ok, toi. Ok, toi, il faudra pouvoir te déplacer. Alors toi... Ok, je peux donner au groupe, pas à la personne. Donc ça, va falloir déplacer à côté. Celui-ci, c'est un nouveau, en fait, c'est ça? Oui, celui-là, c'est un... Ok. Ça, c'est un à construire. Donc tu viens là. Voilà. Parfait. Et on a déjà l'éclairage. Peut-être le faire pareil en bas. Et je vais retirer ces petits lits qui ne servent à rien, qui franchement diminuent la qualité de sommeil. Ah, Céleste est montée de level, notre chef. Alors, tu gagnes quoi, Céleste? Donc, ah, elle était que level... Elle était level 1, elle est passée level 2, ou elle est level 2, elle est passée level 3? Ok. Ouh, et là, je regarde la carte. Et on a appris des choses sur d'autres factions. Alors, celle-ci est bleue. Ça veut dire... Ok, elle se moque de Baronesse. Et là, en guerre avec nous. Pourquoi? Pourquoi t'es en guerre avec nous? On a fait quoi? Level 6. Ok. Je peux pas cliquer là-bas, faire quelque chose. On peut pas cliquer là, d'accord. Mais on sait que on n'est pas loin d'alliés et assez loin d'ennemis. Donc, ça me convient. D'accord. Intéressant. Donc je démonte ces petits lits pourris. Et j'aimerais... Ok, il peut passer quand même comme ça. C'est bon à savoir. Ce qui veut dire que je peux probablement mettre un autre même de lit là. Je sais pas s'il passe sur les... Oh, ça y est. Oh. Oh. Purée, ça y est, on a dompté le cerf. Oh, ok. Si on le porte, c'est un petit peu lourd, hein, c'est... Hein. Céleste a de sacrés bras. Donc ça va là-dedans, et là je sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que je vais entourer ça de... Ou est-ce que il va fuir? Non, il reste dedans. Je peux pas lui donner un autre nom. Buck. Il a 26 ans. Bon, ben... Ouais. Elle, c'est à toi de te charger de ça, donc... va falloir le nourrir. Un peu d'eau. Je me demande si... Ah, ça, barrière. Une porte. On va la mettre là. Et, ah, est-ce que je peux terraformer ça? J'ai jamais fait de terraformation, donc je sais pas comment ça va se passer. Je vais creuser là. Et là, on va voir ce que ça va donner. Ils ont déjà fait les... Alors, je préfère mes lames, mais j'aimerais faire peut-être un pâturage plus grand. Pour le futur. Qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le job? Ça serait quoi? Mining? Il y en a 3 qui l'ont, on va voir. Ah, et elle apprend à construire... les barrières. C'est rapide ça, ça paraît être un gros objet. Ouais, donc comme ça, elle connaît plus de choses. Les connaissances se répandent dans le monde. Ah, il va falloir également. Voilà.
J'aimerais bien par contre que ce soit pas tellement si droit, mais que ça soit en angle comme là. Comment est-ce que je peux le faire ça? Parce que ça a bloqué l'accès. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir contourner, mais... Ah, c'est pas fait en fait. Je sais pas si on est vraiment besoin de retirer, c'est pas grave, on le fait. C'est quoi ces structures, ça? Voilà, comme ça, s'il le faut, on est prêt à grandir. Ah, deux accès. Je mets un, non, ça sert à rien d'en mettre un là. Peut-être celui-là. Ok. Il me demande quelle est la taille qu'il faut pour les serres. Ah, on ramasse la crotte. Ah. Et maintenant, je vais agrandir. Voilà. Et alors, je sais pas ce qu'il va produire. Il en faut un deuxième, je suppose. On va essayer de faire cette fois-ci du domptage de... Ok. Voilà. Comme ça, un gars, une fille. Et c'est pas une série télé. Ah, plus de bois. Mais c'est notre projet. Hop, purée. Je commence à devoir aller assez loin pour le bois. Enfin, aller de plus en plus loin. Est-ce que je peux faire... Pasture, non, c'est pas ce que je veux faire. Une ferme. Est-ce que je peux faire une ferme? Ok, je ne vois pas d'arbres dedans. Par chance, ils ont l'air de repousser eux-mêmes, mais quand même. Il est où mon cerf? Ah, oh! Oh! Ok, t'es pas mort, hein? Non, non, t'es pas mort. Je me fais peur. Ouh, regardez, on a recruté quelqu'un. Agre, regarde tout ce qu'il sait faire, regardez ce qu'il fait, tout ça, tac tac tac, il a tout ça, il peut aller tout là, les caches de bandits, les défenses, les livres, les jeux, il a tellement de connaissances. Oh, en fait, recruter n'est pas seulement pour la main-d'œuvre, mais c'est... Oh, il a vraiment tellement de connaissances. Oh, mais c'est en fait pour également débloquer de nouvelles technologies. Mais bonhomme, il a trop de trucs. Ah ouais, d'accord. Et elle, elle fait quoi? Elle apprend la porte sûrement? Elle apprend la porte, ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais toi, tu... Il a déposé... Il nous a piqué de la nourriture, mais il a posé du bois en échange, il a fait du commerce, c'est ça? Est-ce que je peux voir ce que le personnage connaît? Job. Ok, opinion, non, on peut pas avoir ses connaissances. Parce que là, du coup, on pourrait favoriser ceux qui connaissent vraiment beaucoup de choses. Intéressant, intéressant. Donc, oui, une autre raison de recruter du monde. Ah, alors ça. On démonte. Voilà. Toi, on va te mettre dedans, hein. Voilà. Et on va te demander, maintenant qu'on a tellement de choses... Des armes. Ah, je veux des arcs. Trois arcs. Après, un point d'exclamation. Et c'est peut-être parce qu'on est en cours de transport. Et alors, on a quoi d'autre? Des torches, des flèches. Allez. 25 flèches chacun. Et on va voir ce que ça va donner. Ah, ça a retiré là!
On va en faire 100. C'est parti. Voilà, production de flèches et d'arcs. Ça va pouvoir se défendre. Les lits sont là. Je me demande si... comment est-ce qu'il tombe amoureux? Est-ce que je dois, par exemple, avec Céleste, draguer quelqu'un? Ou si c'est naturel, vous voyez, ils le font d'eux-mêmes. Alors, Split. Il n'aime pas les peaux d'elfes. Ouais, bon, c'est pas grave. Snip va moins m'aider, mais je vais voir, est-ce qu'on peut se marier avec... avec Split. Oh, Big Bro également. Je continue. Ouh, ça, ça a donné beaucoup de points. Ok. Très bien, maintenant il nous aime. Bien, il nous aime bien, pas il nous aime, hein, mais bon, il nous apprécie. Ouh, ça y est, Split, maintenant M. Céleste. Alors. Peut-être là. Demander. Alors, mariage. Je suis averti. Comment on se marie? Oh. Ok, bah, je sais que Split, en tout cas, aime notre petite Céleste, mais je ne sais pas encore... Ouvrir les flèches, là. Comment lancer le mariage? Est-ce que c'est peut-être dans les technologies? Ce serait pas dans décoration, enfin, pas dans la partie bâtiment. Ou peut-être, ça pourrait, il faudrait construire le bon bâtiment. Crafting, ça, farming, ranching, ok. D'accord, donc là, c'est vraiment que des technologies de bâtiment. Bah, il faudrait peut-être... trouver ce qu'il faut construire. Ok. Et d'ailleurs, du coup, on va commencer le stockage pour le moment avec des petits meubles. On va mettre ça là. Et je peux pas encore faire les plus grands. Simon vient de faire une... Il a fait une crotte. Le visiteur, il fait une crotte dans mon entrepôt. D'accord. Bon, alors, je commence à être un petit peu juste en nourriture, clairement. Mon maïs n'a pas l'air de vouloir... Ah bah tiens, peut-être que je peux faire du commerce avec eux. Alors, si je prends Céleste... C'est comment dire que je fais du commerce avec eux? Je me rappelle plus. On va lui parler. Ah voilà, commerce. Alors, est-ce que tu as des graines? Graines de coton. Ça, ça peut être pas mal, mais c'est pas ce que je veux. Ah, graines de maïs, tu en as 24. Donc, j'en voudrais une dizaine. Et des graines de citrouille, une dizaine. Ce qui va me faire 9 de valeur au total. Alors, qu'est-ce que je peux... Ah, je pourrais leur donner. On a eu du mal à l'avoir, donc on va dire non. Tout ça, là, est-ce que c'est du rab que j'ai ou... Parce que si c'est du rab, je peux leur donner. Ça, non. Marteau. Qu'est-ce que j'ai en grand nom? On a du cuivre en grand nom, mais bon, oui, je vais leur donner les deux habits, là. Ok. Tac. Tac, 10. Et là, il me reste une pièce, donc. Et là, on est bon. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire plus de ça. Et on va également demander... faire une ferme. Peut-être un peu plus fine, celle-ci. Citrouille. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, hein? Ah, c'est pas la bonne saison. La citrouille, c'est à quelle saison qu'on la plante? Et là, ok, là, il ramène les graines. On va avoir un petit décalage entre les deux récoltes, mais j'espère qu'on va avoir quand même la récolte avant. On est encore au printemps. On est encore au printemps, donc on l'aura avant. Je pense avant l'hiver. Ok, deuxième année. Ah, Split peut monter le level. Ok, Split, c'est... notre futur co-chef. On est quoi? On est un baronesse? C'est notre futur baron, du coup? Allez, hop, hop, hop. Tout ça, c'est bon. Tout ça, on l'accepte. Ouh, il a fait beaucoup de... Il a monté beaucoup de compétences. Génial.
Ah bah tiens, je peux faire du commerce juste en cliquant là, en fait. Ok, c'est les visiteurs. Il faut pas oublier, il y a des bonnes choses. Et... Ah, et là j'ai... Ah, 70% pour la biche, génial! Et là, on n'a rien appris dernièrement, et ça, c'est les événements, les derniers événements. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont fini? Non, ils n'ont pas encore fini d'apprendre les arcs, à faire les arcs. Donc, c'est encore en cours. Oh! Je peux demander? On sert de combattre pour moi? Ok. Et eh bien, dis donc, les level up, ils vont là. Alors, tu gagnes quoi? Level up? Ah ouais, level 5. Notre chef est level 2, elle est level 5. Elle va être pas mal en combat à distance. Ben tiens, elle. Oh. Oh! Au level 5, on gagne une compétence. Ou plusieurs. Ouais, je dois choisir, c'est ça. Plus 2 aux soins. Plus 2 à la compétence pour miner. Ok, alors on va mettre. C'est quoi? Est-ce que nursing, elle est à 1. Minage, elle est. Même pas là-dedans, ah, s'il faut descendre. Elle est à 3. On va lui donner ça pour passer à 5. Allez. Voilà. Comme ça, elle va également miner pour nous. Et elle va combattre à l'arc. Quand on a notre premier arc. Je compte sur toi, Gunalf. C'est l'elfe qui apprend à faire les arcs? Ok, ce serait un bon arc alors, je suppose. Et là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on en a pris 10. Plus 10 ou 12. Ouais, je crois que c'est 10. Là, il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, donc il y en a probablement un autre. Ah, et là, voilà, 12. Ok, voilà. C'est bon. Côté coton. Il m'a tant qu'à faire. Ceux qui n'ont pas de boulot, allez me ramasser le coton dans le coin. Voilà. Côté bois, on est un petit peu juste. On marque d'autres arbres, des matures. Ouh, ça, je peux te miner. Ok. Côté rocher, on n'en a plus. Donc, tiens, je vais marquer ça. Je sais pas si on pourra le faire. Ah non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Et un autre level up. Alors, snip, il faut que je réadapte effectivement les jobs en fonction de ces gains que toi tu vas combattre en mêlée. Et tu es pas mal en ranching. Donc, si je vais là-dedans, mettre en ranching un peu plus haut. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Faut que je vois partout là où il y a un nombre positif. Sauf s'il y a quelqu'un que je veux hein, qui fasse un boulot particulier. Ça veut dire quoi, un moins? Potentiel, c'est le potentiel du personnage. D'accord. Voilà. Il mine, d'accord. Ouh. Tremblement d'écran. T'es puissant, Agrd. Et on est revenu à 2 années de nourriture. Et ça y est. Ah, la biche est domptée. Donc elle revient et on fabrique notre premier arc. J'ai également commandé 12 graines de plus. Voilà. Et donc là, j'espère qu'ils vont pouvoir se reproduire. Et là, on a le premier arc. Alors, on a dit c'était elle, notre archère. Donc, alors, il faut aller dans objet. Sur elle. Oh, quelqu'un a déjà pris le... Plus 1 en miné. Alors, on va donner ça. Peut-être que quelqu'un a déjà pris le l'arc. T'as rien en main. On n'a pas de gants pour le moment. Faudra regarder ça. Rien en main. Rien en main. Pas de chapeau. Est-ce que j'ai un chapeau? Si j'ai ça. Voilà. Plus de défense. Intéressant. Mais alors, pourquoi est-ce que je vois pas l'arc? Il a peut-être été ramassé. Donc, on va en faire d'autres. Ça a l'air d'être rapide. Il me semblait qu'il l'a posé, mais en fait, non. On est toujours à 3. Je suis sûr d'avoir vu un bonhomme. Ok. Et là. Alors, est-ce que je peux faire du commerce avec ma Big Bro? On va essayer. Pas de graines de maïs.
Pas de graines de maïs, il en restait peut-être à celui-là. Ouais, j'ai dépouillé le groupe. Peut-être qu'ils ont en fait la même chose, ils partagent tous la même chose. Ok, bon, bah je peux plus en acheter, mais on a déjà les deux tiers du champ de rempli. Et on a une récolte qui ne va pas tarder. Et je suppose qu'on va obtenir des graines avec la première récolte, donc on va peut-être pouvoir compléter là-bas directement. Ici. Ok, un arc est bon. Alors, elle, maintenant, à ton tour. On revient. Tac, ici. On lui donne. Voilà. Et on va lui dire qu'elle préfère cette arme. Ok. Ensuite, on a besoin... Ok, allez, voilà. Je veux que tu m'en fasses. Tu vas m'en faire 3. Qu'est-ce qu'il manque? Ok, c'est juste qu'il manque des ressources. Côté coton, on est large, hein. On a 198. Ah, vous savez quoi? J'ai trouvé où est le bâtiment pour le mariage. C'est en fait dans un meuble et utilisable. Voilà. Ça, on peut le mettre. Et on va le mettre là. Ça, c'est une bonne idée. Allez, non, c'est pas bon. Je peux pas te tourner. Ah, si, je peux te tourner comme ça. Allez. On va te mettre là. Et alors, je me suis rendu compte d'une chose. Quand je clique sur Céleste et je vais dans l'attraction. En fait, elle aime les elfes. Elle préfère les elfes à l'âge moyen. Il faut que l'autre l'aime. Et que ce soit non binary. Ok. Et le seul candidat est elle. Et si je clique sur elle, elle est moins difficile. Mais ça inclut bien Céleste. Donc du coup, il faut que j'aille draguer elle. Je peux le faire de là? Non. Où est elle? Elle est là. Faut que je drague elle avec Céleste. Donc on va parler à elle. Et on va faire tout le train-train d'avant. Alors lui demander ce qu'elle pense. Donc à quoi elle pense plutôt. Et regardez, c'est romantique à côté. Du feu de camp, grosse baie qui fait la taille d'un melon. Ok, ou si je fais ça, elle va adorer. Elle va adorer que je déteste le cardinal Mélian. Ah, elle aime déjà Céleste. Ah bah. Ok. Faut peut-être attendre maintenant que l'arche soit construite. Ah, elle va construire l'arche pour son mariage. Donc, faut apprendre. Et on va même prioriser ça. Par contre, Snip. Pourquoi la... Snip, on l'a dragué à mort. Et maintenant, il n'aime plus la baronesse. Pourquoi? Je me suis super rapproché. J'ai rien fait. Oh, il s'est passé un truc avec Snip. Je ne comprends pas trop. Franchement, un petit système à la sim semi-automatique serait peut-être mieux que de devoir agir pour remonter. Parce que là je vois pas ce qui s'est passé. Parce que ouais, la barre là représente l'opinion des gens pour Céleste. Je pense. Ouais, c'est ça, c'est la barre d'opinion. Et elle a l'air de varier pas mal, mais bon. Et donc voilà, elle va pouvoir faire... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait... Alors, c'est construit, ouais, rapide. Du coup. Oh, ok, il faut 32 de fleurs. 32 fleurs, est-ce qu'on a des fleurs? On a des graines de fleurs. On n'a pas tellement de fleurs. Alors, je vais en trouver dans le monde. On est au printemps. Ok. On va en avoir 32 rapidement. Je pense que c'est ça qu'il faut. Hein. Ou alors, il faut planter les fleurs nous-mêmes. Dans quel cas, je peux changer. Il faut être 6 pour ça. Ok. Ça, c'est quoi, les 4 pétales? Je sais pas ce que c'est. C'est une fleur ou un légume bizarre? Donc, mon total
fleurs augmente. On est à 8 fleurs. On va les ramasser. On est à 14. On n'a pas une fleur à chaque fois par contre. Ça c'est un problème. Donc il va falloir ramener ça. Si je mets reconstruire. Non, supply. Donc là on doit. Supply, c'est-à-dire qu'on doit ramener les fleurs. D'accord. Voilà, on a 33 fleurs. Non, maintenant. Faites-le vite. Il faut ramener ça là. Et elle n'a pas bougé, elle adore toujours. Donc ouais, donc, naturellement pour les autres ça a l'air de fluctuer, mais pour elle, elle a l'air de vraiment beaucoup aimer Céleste. Céleste, pardon. Donc bon, ça ferait un bon mariage. Où sont les fleurs? On est à 14 fleurs, qu'est-ce qui est arrivé à mes fleurs? Alors, je fabrique un bouquet, voilà, avant le mariage. On est bon, les fleurs sont là. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Vous pouvez voir que... Alors, là, on a le... ce que chacun pense de l'autre. Donc, elle... Alors, Céleste aime bien que elle soit non-binaire. Elle aime bien que Céleste soit du même âge. Et elle aime Céleste. Par contre, le gendre... Hein, le sexe de Céleste ne lui plaît pas. Inversement, Céleste n'aime pas que elle soit trop jeune et elle n'aime pas Céleste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retirer la dernière ligne en prenant elle. Alors on va aller à Céleste qui est là, on prend elle et on va lui dire de donner le bouquet. On va voir si ça permet d'améliorer l'opinion de Céleste d'elle, parce que c'est pareil qu'elle ne l'aime pas. Merci, elle dit. Alors, si on regarde à nouveau, Céleste. Ok, elle n'apprécie pas Céleste. Elle ne la déteste plus. Donc là, il me faut plus de fleurs. Et juste peut-être un ou deux bouquets de plus. Par contre, on a vraiment dépouillé les fleurs du coin. Et je vais ensuite tenter de faire le mariage. Alors, pendant qu'on fait les bouquets... Je mets à l'intérieur des tables pour manger. Bouquet terminé. Ouais, un bouquet terminé. Alors, hop. Elle. Je donne ça à la baronesse. Voilà. Ou elle aime beaucoup Elfie, en fait. C'est peut-être mieux. Mais c'est pas grave, on a déjà fait le choix. Alors, elle. Ça n'a pas suffi. Bon, allez, un dernier bouquet. Ouais, un dernier bouquet et on y va. Voilà. Là, elle est en train d'apprendre à faire les tables. Côté bois, il nous en faut un petit peu plus. Et ça, je peux pas prioriser ça, c'est dommage. Mais on a les fleurs.